Bonjour, nous sommes jeudi. Je vérifie. C'est ça. 28 septembre. Je suis en train de faire les plastiques pour ce soir. C'est tous les jeudis et c'est un coup à ce que j'oublie. Et après, il faut encore attendre. Et comme j'en ai beaucoup, ça serait dommage. On a pris le pli avec Eric tous les jeudis sur les coups de 17h. On se fait toutes les poubelles de la maison. On se fait tous les trucs pour vraiment être sûr qu'il reste rien. Hier, on est enfin passé à la déchetterie. L'entrée était blindée de carton. L'étage, c'est comme ça tous les mois. Donc, faut vraiment que je m'organise. Sinon, après, la maison, elle est complètement envahie. C'est pas top, top. J'ai commencé cette journée pliée en deux. Après avoir pris mon petit déj, je suis persuadée, je vais retester demain, même si c'est risqué, que c'est ça. Et je crois que c'est pas la première fois. En plus, je suis pas, j'en raffole pas plus que ça, les petits pains suédois. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait, qui aurait pu? J'ai conditionnel, ça se trouve, c'est pas ça. On va lui laisser la chance demain matin. Farine de seigle, gluten de blé. Je reteste demain, mais quand je vous dis plier, même Eric, il a commencé à se dire waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Des coups de poignard violents. J'ai déjà eu ça il n'y a pas si longtemps. J'ai pris deux spasfons, c'est passé au bout de trois quarts d'heure, mais quand même. Donc demain, je reteste. J'ai hâte. Aïe aïe aïe. Je ne vous ai pas dit, mais si vous voyez une queue passer, c'est le Jack. Quand j'ai fait du repérage pour ma robe de chambre, donc à Kiabi, j'ai vu la nouvelle collection donc de la rentrée et je suis tombée sur des pièces, notamment un chemisier blouse un peu écossais, complètement mon genre. J'ai adoré, mais je me suis dit, bon, c'est pas le moment, tu viens pas pour ça. Mais après coup, je me dis que ça pourrait être quand même pas mal de l'essayer. J'aime bien. Et voir s'il y a... Franchement, des fois, chez Kiabi, tu as des trucs, des vestes surtout. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, les vestes un peu de costume, je mets ça avec un jean. Très souvent, ils ont des beaux modèles qui, je trouve, tiennent plutôt pas mal dans le temps. Je trouve. Tu en penses quoi, mon Jackie? Il s'étire en bâillant. Vous le voyez pas? Mais peut-être un petit peu. Tu viens? Bah, là, il fait une petite tache ici sur le museau. Là, il fait la petite tache. T'es beau. Mais pour le moment, je ne peux pas bouger puisqu'Eric a pris ma voiture. Et la sienne, on évite quand même. C'est. Je préfère prendre sa voiture. Voilà. Il revient pas avant 17h, c'est pas grave, de toute façon j'ai un autre projet qui m'attend. Peut-être j'irai tout à l'heure, c'est possible. Ça commence à tomber par ici. Ça sent le printemps, c'est ça. Ouais, mes projets en fait pour cet après-midi, c'est que j'ai plein, beaucoup de rendez-vous téléphoniques. Et ce qui est top, c'est que de plus en plus, ce sont les marques elles-mêmes qui me démarchent, qui m'envoient des mails, qui souhaitent intégrer la box. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça fait 2 ans et je vois que petit à petit, elle commence à trouver sa place sur le marché des box, à avoir une belle image. Je suis fière de moi, faut le dire, quand on est content, même si c'est fatigant, même si oui, je me remets en question trop souvent parce que je suis assez perfectionniste dans la box, dans la sélection, dans tout ça. Ça, c'est ça quand t'es ton propre patron. On va regarder cette petite liste qui nous attend. J'ai l'aspirateur en plein milieu. J'avais commencé à passer l'aspi. Ouais, ça aussi, c'est un gros projet aussi. Ça fait... Il demande qu'à travailler en plus celui-là. Et à être vidé également. Alors, on enchaîne. Ça, c'est fait. Lui, c'est fait. Elle m'a appelé là. Cette marque, alors ça par contre c'est une marque hyper originale. Pourquoi je donne suite, en tout cas je vais appeler, parce que c'est un concept que je connais pas. Et ça, c'est très box le boudoir et ça m'attire, donc je vais appeler cette personne qui elle m'a contactée, je connaissais pas du tout. C'est là où je vous dis ça c'est cool, j'avance bien hein, j'ai quasiment terminé là tous mes appels du jour. Ce matin j'ai reçu ça aussi, vous avez vu hein, je fais très peu de partenariats. Mais là, ça m'a donné envie. C'est un appareil pour retirer la cellulite. Apparemment, ça masse, ça casse la cellulite et tout. Franchement, ça m'a trop intriguée. Je vais leur demander de me l'envoyer. Je vais le tester. On verra. Ah, ça y est, j'ai retrouvé, ça y est. Allez, hop, go. Ah oui, c'est pas ça. Je me suis trompée dans l'orthographe. Tu m'étonnes que je ne le trouvais pas. Hyper cool comme concept. Voilà, joli. Ok, c'est parti. Oui, bonjour, c'est Caroline, Box Le Boudoir. Vous m'avez contactée ce matin. Oui, effectivement. J'ai regardé votre concept. Je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu parce que je vous avouerai que j'ai pas tout compris. Pas de soucis. Et surtout qu'il y a un petit format pour pouvoir transporter partout. Mm-hmm. Et donc à l'intérieur. Très chouette cette petite marque, c'est cool. Oh, il a caché lui. Il y a Eric qui vient de m'appeler. Il est 17h. Il va faire des courses, mais tu viens avec moi. Donc je pense que je vais en profiter. Je vais aller avec lui, il y a que 2-3 trucs.
Je lui ai demandé si lui veut bien aller à Kiabi. Il faut que j'aille repérer quand même. J'aime bien. Attendez, je vous montre un truc. C'est qui? Le loup des bois? Bah, tu te reposes? C'est vraiment the place to be pour Jackie. En plus, il a la petite vue extérieure. Et surtout, bah, il fait peur à sa mère. Parce qu'à chaque fois, il aime bien faire le funambule là-dessus. Et puis, il reste un petit moment. Même si je sais, oui, c'est un chat. Il y a peu de risques qu'il tombe, mais quand même. Quand même. Hein, mon Jackie? Et ça va me faire du bien aussi de sortir. Attends, Jack, on va ouvrir le rideau quand même. Ah oui. Il m'a dit, tu prends un sac. C'est quand même mieux, hein, on peut circuler. Et tu prends un sac. Congélation. Ça sent les glaces. Je vais me reprendre un truc pour le matin. Et j'ai peur que ça me refasse demain matin. Je suis une petite joueuse, je sais, mais je préfère. Ça va durer plus longtemps que prévu les courses. Hein. J'ai la flemme, j'irai demain matin à Kiabi, j'ai pas envie. En plus, on a des surgelés, donc c'est tombé quoi. Je vous montre rapidement le petit butin du jour. Au retour, on est passé à la boulangerie Ange parce que ce soir, je vais me faire une grosse salade composée. Et ils font des petites baguettines comme ça, c'est très croustillant. Olive et l'autre, c'est chorizo. Et j'ai pris ça pour également demain matin. Il n'y a rien de mieux que du bon pain frais, une tradie. J'ai pris ça parce que petite joueuse, je le sens pas. Franchement, je sens que ça va me détruire le bide encore. La marquise Pro, de plus en plus, je la vois. C'est Eric qui prend ça, mousse au chocolat. Très bon, très bien noté. Mais alors ça, il m'a fait goûter la dernière fois. Excellent, très gourmand, banane, saveur, beurre de cacahuète. J'ai repris des petites patates nouvelles parce qu'on s'était régalé la dernière fois. Des poires, un petit peu de viande. Qu'est-ce que j'ai pris? Bavette, mes carottes et puis minestrone. Et puis un gars heureux qui goûte. Je viens de tout préparer pour faire ma petite salade. Ça va être très simple. Hein. Du thon comme ça à la catalane. J'ai fait 2 œufs. Dur. La fameuse petite salade avec tout plein de choses croquantes. Je vais rajouter un peu de chou-fleur cru. Et avec, bah, je vais mettre des petits toasts là de baguettine et du beurre. Tu t'arrêtes? Perfect. Et je me ferai peut-être 2 mochis devant une nouvelle série. Il est pas content, je l'enferme, mais en même temps, il essayait de voler. Je vais ouvrir après. Vendredi matin, alors j'ai eu de nouveau tout à l'heure une crise au niveau du ventre, spasme, pas du tout de la même intensité. J'ai pas mangé ce que je suspectais, mais j'ai quand même pris du gluten puisque j'ai pris la tradie. Donc je pense que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est limiter le gluten pour voir s'il y en a mieux. Voilà, procéder par élimination. Sinon, je vous avais dit ce matin que j'allais chez Kiabi, il est 9h, donc je pense que c'est l'heure parfaite, ça vient d'ouvrir, il n'y aura pas grand monde. J'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de musique parce que j'ai dans l'optique de vous montrer vraiment la nouvelle collection et pourquoi pas essayer quelques pièces en cabine. Voilà, ça peut être chouette. Donc c'est parti. Bonjour à sa mère. Bon, j'y suis. Ce qui est cool, c'est qu'il y a effectivement un fond musical très très léger, on ne le perçoit pas. Donc c'est parfait. Est-ce que ma blouse est toujours là? Je ne retrouve plus la blouse. Elle était là. Elle est déjà partie. Je suis deg. Normal, elle est là. Mais surtout, elle est cachée. Ah. Ah, attends, il n'en reste plus qu'une. Ça laisse tomber. Quelle taille? M. Ah, ah non, il en reste 2-3. Avec ce petit col comme ça, donc je vais l'essayer. Ça sera beaucoup plus parlant. Et on va faire un tour quand j'y suis pour voir s'il y a des choses qui pourraient aussi m'intéresser. C'est pas ouf, là, hein, la longueur de ce manteau. Catherine and the Queen, enfin qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Alors ça, ça me va pas du tout. Pas du tout. J'ai plus beaucoup de batterie. Ah, ça, ça pourrait être mignon. Petite veste courte comme ça avec un jean. Ça aussi, ça revient beaucoup, les très 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 longues robes noires ou bordeaux. Alors par contre, faut être gaulé hein, parce que ça épouse les formes. C'est du délire. Est-ce que... Non mais vous avez vu ou pas? Oh la vache. Ah ouais, c'est fondu. C'est beau quand même. Hein. Ça aussi c'est mignon, enfin les petites manches comme ça bouffantes. Par contre la couleur sur moi, je pense que ce sera terne comme ça, bleu ciel. Ouais, mais ça c'est un peu compliqué quand même, le motif est très présent, peut-être un peu trop. Je l'ai celle-là et je l'ai achetée ici et je suis très satisfaite. J'aimerais trouver des choses à essayer. Qu'est-ce que je peux essayer? Après il y a la robe longue, mais avec mes hanches ça va passer. Hein. Ça. Très sympa. Le problème, c'est que les cols blancs comme ça, c'est vite compliqué. Quand tu poudres ton teint, enfin, il suffit qu'il y ait un coup de fond de teint.
Bon, j'ai pris pas mal de pièces là. À essayer. Et la robe blanche aussi. Donc voilà la petite blouse. Très agréable. Elle est jolie. Moi je la rentre. Je trouve ça plus joli parce que sinon ça n'a pas de forme. Ça doit arriver ici. La matière est très légère. Ça rend bien. Vu d'ici. J'attendais parce qu'il y a une personne dans une cabine. C'est vraiment le genre de blouse qui me va bien. Et même au teint. C'est très mignon, en plus c'est très automnal. On continue parce qu'il y a des petites choses. Hein. Je continue avec cette robe parce que franchement, j'ai un gros doute vu comment elle est très 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 étroite. Bon, c'est pas moche moche, je crois. Mais je suis pas certaine d'être vraiment à l'aise. Parce que comme je vous dis, ça marque. Par contre, la couleur, c'est joli. Ouais, la couleur est sympa. Avec des bottes. Ouais, voilà, tu vois là. Franchement, avec une veste en jean. Une petite veste en cuir, ça peut le faire. Hein. À voir. Elle existe en noir aussi, je vais vous donner le prix quand même, au cas où. 25 euros, j'ai pris en M. Bon, ça, il y a du monde qui est arrivé. La couleur est sympa, bon, là je l'essaie avec un jean. Forcément, je ne mettrai pas avec un jean. C'est joli, mais par contre ça, j'aime beaucoup. Mais est-ce que je vais pouvoir le mettre? Enfin, la mettre. Oh, c'est un petit, comment on dit, Spencer, blazer, je sais pas. C'est beau, hein. Il y a plein de monde, je serais bien sortie pour que vous voyez mieux. J'ai pas vu le prix encore. Parce que je pensais pas le prendre, je me suis dit, bon, pour le fun, j'essaie. Mais en fait, j'aime bien. 35 euros, mais je vais pas la prendre. J'ai pris en 36. Et je vais essayer ce t-shirt avec la veste que j'ai déjà moi à la maison pour voir, mais je pense que ça va être sympa. Oui, c'est sympa, même si taille M, c'est trop grand. Il faudra que je prenne taille S si jamais je le prends. Résultat, je ne sais pas trop. Je vais prendre la blouse, je vais prendre le petit t-shirt, mais en S. Et je crois que c'est tout. Ouais. J'en ai eu pour 25 euros les deux articles. Et vraiment, les deux me plaisent beaucoup. Et c'est deux pièces que je suis certaine de mettre, donc ça c'est cool. Les autres, beaucoup moins. J'aurais pas été à l'aise et enfin le confort c'est quand même important si c'est pour me dire ouais, là ça me sert, là c'est machin, là truc, on voit mon bide là. Non. Bon, d'accord. Bien, moi je suis très contente. Ne t'énerve pas comme ça. Voilà, il fait le chaud. Tu fais le chaud? Tu fais des bisous à maman? Oui. Oui. Je vais monter, il est 10h. Je vais faire le montage de cette vidéo. Je puise en moi la motivation. Il est 15h, j'ai un coup de barre incroyable. Je lutte, je bouge pas trop parce que là je vous ai calé sur le fauteuil qui est mou, donc ça peut bouger partout. Oui, je voulais voir avec vous, donc pour les personnes qui sont encore là à ce stade de la vidéo, parce qu'en fait, sous une de mes vidéos, mais qui date, hein, franchement je sais pas, elle a 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, pour les crises d'angoisse où j'avais intitulé « Je vais vous aider », je me rends compte que j'ai beaucoup de commentaires encore aujourd'hui de personnes qui semblent d'ailleurs faire des crises d'angoisse dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'ils m'envoient des messages « Oui, voilà, je suis en crise d'angoisse, j'écoute ta vidéo, ça me fait du bien, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est grave ?» Bon, déjà, je ne suis pas médecin, je leur réponds que je leur donnais moi comme mes ressentis, comment je gère tout ça. Mais tout ça pour vous dire que je vois qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à en souffrir à des stades complètement différents, même si moi, je touche. Je vais pas dire que je m'en suis sortie, mais j'en vois le bout. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive vraiment à maîtriser une crise d'angoisse, à la calmer. Je vais l'avoir, mais je sais. J'ai vraiment des petits tips, des conseils. Donc, est-ce que ça pourrait être chouette de refaire une vidéo, vu que je vous dis, elle n'est pas d'hier, celle-là, la remettre au goût du jour, d'autant plus que j'ai des nouveaux tips, des nouvelles choses que moi, j'applique. Résultat, ça passe hyper vite. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé sur ce type. Alors, ça sera une vidéo face cam, hein. Forcément, ça sera vraiment la vidéo dédiée à la gestion dans son entièreté. Je vais arrêter maintenant ce vlog et probablement, parce qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'on fait quelque chose dimanche, mais rien n'est sûr. Donc, c'est pas sûr que je vous publie dimanche. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Insta. Donc, si c'est pas dimanche, ce sera lundi. Hein. C'est juste un jour de décalage. Mais voilà, je préférais vous le dire. On va se faire un petit bisou. Et puis se dire à très très vite pour la suite des vlogs. Pareil, tant qu'à être là à parler, vous avez vu que bah, du coup on est retourné dans une rentrée, c'est des vlogs de routine, hein, de mes journées, c'est plus ou moins la même chose, même si parfois voilà, il se passe des trucs un peu différents. On n'est pas sur un format aventure où on part à droite à gauche, on découvre des choses.
le week-end ça pourra se faire, mais bon, j'espère que ça vous plaît quand même ce petit format. Et puis j'essaie, parce que je vous ai écouté, de faire des vidéos un petit peu plus longues. Parce que rappelez-vous, au tout début, je crois que mes vidéos faisaient moins de 10 minutes. Après, pendant un certain moment, elles étaient à 10 minutes. Là, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus longues. Et idéalement, c'est vrai que j'aime bien les vidéos. Même moi, en tant que spectatrice, j'aime bien regarder des vlogs longs qui font une vingtaine de minutes parfois. J'ai jamais fait de vlog de 30 minutes. J'ai déjà fait des vlogs de 20, une vingtaine de minutes, pas 30 minutes. Bon, bref. Je vous fais un énorme bisou et à très bientôt.